Bonjour fanatique moyo, bonsoir fanatique moyo, dépendamment de l'en sur vidéo. Ça pas oublier nous, c'est Sano Jackson. C'est un plaisir pour moi pour me rencontrer nous sur canal ça pour me présenter nous une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons traiter un thème qui est vraiment intéressant. Nous allons parler à monde qui gagne visa sous passeport yo, monde qui gagne visa sous passeport yo et que problème coronavirus sans faire yo pas jamais gagne chance à l'enregistrer dans le pays. Nous allons parler tout à moun qui te téléchargé yon visa de façon électronique sur site Exanchéria et malheureusement qui poko gen chance à l'enregistrer dans le pays. Nous allons parler tout moun qui recevoit certificat définitif yo. Mais malheureusement, monsieur coronavirus sans faire moun sa yo poko aller déposer al enregistrer certificat sa nan PDI pour yo capable al faire carnet. Donc c'est à moun sa yo que m pral parler. C'est pour ça m'a mande prêter en pile attention à vidéo, suivre vidéo juste nan bout pour capable pas perdre rien nan sa m pral di nan vidéo si la. Ma profite occasion tous amis ou même cap garder vidéo si vous pouvez abonner avec canal là m'a profite mando pour abonner à canal là partager vidéo à l'autre ami pour l'autre ami capable informer yo pour yo pas dans tête chaud parce que faut nous grand pile haïtien qui fait tête chaud et faut nous pendant semaine passée là moi recevoir plus passé 150 moun sous téléphone moi qui presque a parlé de même bagaille registre de visa comment pour enregistrer visa au dans PDI et gien l'autre monde tout c'est visa qui sorti pour yo télécharger le sur internet faut me dire initiative que me prend pour m'aider haïtien et faire tramiter sur internet là c'est comme qui permet que me faire et parce que m'envisager grand pile haïtien qui pas qu'à sortir dans la rue parce que 50% alors on dit 80% haïtiens qui dans Chili fait tramiter yo dans cybercafé. C'est dans cybercafé y aller pour faire pour consulter ses visa ou sorti et grand pile moun tout qui gen téléphone nan mais yo, malheureusement yo pa gen capacité pour manipuler téléphone nan pour utiliser pour capable wè si visa sorti. En paquet de bagaille c'est dans cybercafé haïtien en fait. Maintenant le fait que coronavirus nan problème coronavirus nan fait que en pile en pile entreprise pas ouvrir en pile cybercafé fermé eh bien moi prend initiative là pour m'aider des haïtiens qui peut-être gagne un visa qui sorti qui t'a aimé télécharger qui peut-être t'a voulu faire ça ou le prolongement visa qui permet qui tramité que t'a aimé faire qui t'a fait sur internet alors depuis m'est capable faire on fait faut nous déjà fait environ et 15 et tramité déjà côté que me télécharger visa pour moun fait prolongement visa pour quelques haïtiens mais vraiment faut me dire nous et ça prend temps yo prend pile temps mais comme c'est volonté l'organe volonté pour faire un bagage au fait c'est façon c'est de façon gratis que me fait ça pas bon monde qui a écrit qui a dit que me demander le corps pour me faire et ça pour lui c'est gratis. Nous recevons environ 150 personnes et dans la semaine qui se passe, il y a ces informations, toutes ces idées, ces opinions, vous comprenez? Mais maintenant, c'est vraiment intéressant. Alors, faut nous aujourd'hui faire une vidéo ça dans l'objectif pour moi et aider les gens qui ont un visa dans le pays, les gens qui ont un certificat dans le pays, les gens qui téléchargent les documents sur Internet là. Pour yon konn ki sa pour yon faire avec. Parce que yon pile haïtien qui nan dou. Faut me dire tout, information que ma ba oua, c'est information que me vérifie. Me vérifie information avant me baye li, me vérifie sou site officiel. Quel que soit information ou m'ta ba ou la, ou mette prenne à 100%, parce que c'est information que me vérifie. M'pa di bagay que m'pa konne. Donc ça k'arrive, m'ba ou m'ka bo opinion sou yon bagay. Mais m'pa justifie yon bagay que m'pa konne. Pour me dire naturellement, mais qui j'en ai non. Souvent, de mon information, je ne pas gagner, je ne peux pas gagner, ou bien je ne fais pas recherche là pour. Maintenant, en avance, parce que je parle de vidéo à trop long tout, en avance.
moun ki gen yon visa nan men, alors un visa qui sous passeport. Ça veut dire ou t'es déjà mette visa sous passeport pour, mais malheureusement ou pas de chance à l'enregistrer. Alors PDI fait sortir une note, li di si yon moun te gen yon visa de 1er décembre 2019 à 31 avril 2020, eh bien si moun sa poko jam resevwa yon email de PDI ki voye registre de visa à Bali de façon électronique, ah ben moun sa supposé valider contact li nan PDI. Tande m ap di lan kò. Si ou souhaitez ou te gon visa sou passeport, par exemple ou te déjà déposé visa sou passeport, mais malheureusement pas de gen chance aller nan PDI pour al faire enregistrement visa. Maintenant, eh bien depuis si visa ça ou te recevoir, alors li sou passeport entre, alors moun ki jwenn visa entre 1er décembre 2019 à 31 avril 2020, dans intervalle de temps ça, tout le monde qui joue une visa dans intervalle de temps ça, pour enregistrer dans le PDI et qui peut qu'on jamais recevoir et registre de visa sous email, eh bien, moun sa yo doit valider contact yo dans le PDI. Validation de contact là qui j'en fait. Validation de contact là, c'est un message moun a envoyé by PDI. La voyel nan email PDI. Map kite email la nan description pour nous. Pour nous capable voye message la nan PDI. Qui sa gwe nan message sa? Nan message sa, PDI pa mande yon paquet bagay. Fok m di gran pil moun ki deja voye message, mais yon voye yon paquet information. Non, mais PDI mande 4 éléments qui obligatoire. Premièrement, c'est nom moun nan, prénom. Et troisièmement, c'est nationalité moun. Quatrièmement, c'est coréo moun qui c'est email moun. C'est ça pour moun mettre dans message qui la voye by PDI. Mais pas oublier, à chaque fois que vous écrit un message, eh bien ou doit by but objectif message là. But. Yo rele la sunto en espagnol. Le ou écrit un message, automatiquement ou cliquez sous ti signe plus qui dans téléphone ou an, eh bien bon espace pour écrire message là ou après on parti qui marqué asunto. Eh bien nan parti ça ou mettez sollicitude de registre de visa temporaria ou définitive. Dépendamment de qui type de visa de enregistrement visa ou le faire. Si c'est un visa temporaire ou mettez registre de visa temporaria. Si son visa définitif que vous besoin, eh bien, vous mettez un registre de visa définitif. C'est ça pour mettre dans le message là pour vous et PDI. C'est simple temps pour bonjour. Ça qui arrive, PDI prend un petit temps pour le voyer registre de visa à bas. Mais quand même, espérez que de façon automatique, vous recevez email PDI. Dès que tu as fait ça, pas besoin de tête ou problème, craser tête ou ni, ici pas là. Ou que tu as fait ça, PDI m'a dit pour faire, et bien, en même c'est tant pour tant pour PDI voyer document bas sous email. Et lorsque tu recevoir document ça, ou prend un lait, dépendamment de dans qui zone que tu étais, ou prend un lait sur internet là, dans le site registre civil, pour capable faire caner dans le registre civil. Donc, c'est simple tant que bonjour. Deuxièmement, si toutefois c'est ta premier visa, si vous recevez visa dans mois mai, tout le monde qui recevra visa dans mois mai et qui c'est premier visa, attendez bien ça me dit. Si un monde c'est premier visa, depuis le recevoir premier visa dans mois mai, c'est ça, si c'est ta premier visa ou recevoir dans mois mai. Eh bien, ça pour faire, ou doit valider contact ou toujours dans PDI. Si toutefois, pas de temps joindre registre de visa de façon automatique. Si pas de temps joindre, eh bien, ou valider contact ou dans PDI. Ou fait même processus
que m'di ou la. Si toutefois, ou poko jam jwenn aucun document qui sorti dans PDI qui se registre de visa. Si c'est premier visa, tade bien, bien dit si c'est premier visa. Si c'est premier visa et ou poko jwenn, ou poko jam jwenn, yon ou poko jwenn jwenn yon message de PDI kote ke l voye et registre de bisa ba ou sou email ou, eh bien ou doit faire ça ou li validation de contact. Mkwè nou clair tan kou nou kokoye. Maintenant, PDI dit si yon moun recevoit, si yon moun recevoit certificat définitif la nan mwa mai. Tade bien, si yon moun recevoit certificat définitif la nan mwa mai. Ou di mwens, si l recevoit visa, prolongement visa nan mwa mai. Par exemple, ou te fè un prolongement de visa. Eh bien, si c'est nan mwa mai ou visa ou la sorti, si c'est nan mwa mai ou télécharger visa. Tade bien, si c'est nan mwa mai ou télécharger visa sur internet là. Ou bien si c'est nan mwa mai ou mettez visa sur passeport pour ou. Eh bien zanmim, ou doit al fè sa yo le registre de visa nan extranjer li. C'est pas moi qui dis le nom, c'est PDI qui dit. M'a pou di le pou encore. Si ou même ou recevoir yon visa nan mwa mai. Mais c'est prolongement visa ou te fait. Ça veut dire c'est deuxième visa. Ou te gon visa qui te expiré, eh bien ou fait prolongement visa ou joini nan mwa mai. Nan mwa mai 2020 ou joini. Si ou même tout te font demande définitif, eh bien yo voye certificat définitif là-bas ou nan mwa mai là. Ça ou doit faire, ou doit prendre les nan extranjer liya pour al faire registre de visa. Maintenant, sam ka conseiller fanatiquement yo, eh bien même sou ta jwenn visa là nan mwa mai, alors même sou ta jwenn certificat nan mwa mai, même sou ta jwenn et prolongement visa nan mwa mai, sa m'encourage ou fait toujours valider contact ou nan PDI et prenyon le nan extranjer li a pour passer nan extranjer li a. Ça pas dérange ou non rien au lieu que pour visa expirer nan mon pour tomber nan problème. M'ap encourage ou prenyon le, alors valider contact ou nan PDI et puis prenyon le nan extranjer li a. Ça veut dire si PDI, si l'on valide contact ou nan PDI ta voye registre de visa ba ou sou email ou, ben c'est bien, ou pa nan registre civil ou pa le faire caner. Si PDI pa jam voye ba ou pran le nan extranjer li a yo relo, eh bien ou pa nan extranjer li a, c'est nan deux instances, c'est nan deux institutions sa yo ou pa gen bon vérité a. Parce que c'est deux institutions sa yo qui responsable pour et régulariser les affaires visa. Maintenant, je pense que ça ne va pas déranger rien. M'espérer qu'on comprenne bien ça. M'espérer qu'on bien comprenne thème que me traite. Maintenant, si vous ne comprenez pas le thème bien, ou capable de quitter un commentaire pour moi en bas vidéo, ou du moins, ou capable d'écrire tout sur le numéro de téléphone, moi, ma bon plus d'explications. M'espérer que vidéo ça te servi ou vidéo ça li permet que ou fait tout ça ou te gen pou faire nan tête fret sans qu'on pas fait tête chaud. Moi espère encore zanmi pour yon l'autre vidéo que ou passe yon bonne journée ou dimanche ou passe yon bonne soirée dépendamment de l'heure ou pral gade vidéo ça.